Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve pour cet épisode 2 sur Grandia HD. Et donc pendant que se déroulent les premiers combats, du coup de vous signaler que comme je peux le faire sur mes propres séries sur ma chaîne, vous retrouverez du coup en description les liens vers toutes les versions du jeu que vous pouvez télécharger par rapport aux consoles, tout ça, tout ça. Et du coup, il y a une Play, Xbox, Switch, je crois, je sais plus, rien, bref. Et dans tout ça, pour ceux qui seraient titulaires d'un PSP Plus, je crois, du coup, vous pouvez jouer à la version d'origine de Grandia gratuitement. Voilà. Alors, je sais plus exactement les différences qu'il y a par rapport à la version originale et cette version remaster. Il n'y en a pas énormément en principe. Mais voilà, c'est important de savoir que voilà, il y a des choses. Ah non! On me l'a confus! Vilain! Voilà, contrer, ça t'apprendra! Non mais saleté! Donc voilà, sachez-le, voilà, vous trouverez un lien, tout ça. Si vous voulez y jouer de votre côté, bah, vous pourrez choisir. Quelle est votre préférence en termes de plateforme de jeu? Et puis voilà. L'épée level up, youpi! Ah, on a les fonds indirects, d'accord, ok, c'est bon ça. Oh, je vous dis ça. Ah oui, si on peut voir un petit peu plus les alentours. C'est vrai, j'avais oublié que ça existait ça. Ça permet de voir si il y a des trucs à récupérer quelque part ou pas. Voilà, je reviens à peu près au début, je crois. Donc, du coup, j'avais tout fait à peu près ici. Donc, on va suivre le chemin et aller de l'autre côté de la rivière. Comment ça, je suis piégé? Oh, saleté! C'est vrai qu'on a des tests que je... Ouais... Après les magies, ouais donc du coup... Non, bah... Du coup elle va juste taper lui, tiens... Et Justin, qu'est-ce qu'il attaque un ennemi avec une taillade en V? Oui, pas de magie forcément parce que ben on n'a pas ce qu'il faut pour ça. Oh, t'as vu Justin, pourquoi tu tues tout là? Oh. Elle a pas le temps de monter son niveau d'arme quoi. Ah, poussée de croissance montée de niveau pour la première fois. Merci. Allez, on traverse le petit pont. Hop,
Mais bon, ça changerait que 15 jours décembre. Voilà. Forcément. Insecte. Tape l'autre. Ah, quoique, au moins l'avantage, vu qu'il tape une fois pour tuer son adversaire, du coup il a gagné moins de compétences d'armes, c'est bien ça. Au final, c'est pas trop mal. Oh là! Mais donc. T'es vénère, vous là! Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Des plantes! Hop. Ah, je peux pas passer par là. Eh ben, tant pis, hein. Bah. Donc on va poursuivre la progression, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Ouais, fais juste un critique toi, c'est bien. Ah c'est comme ça qu'il faut que je fasse en fait. Non, moi je peux monter l'arme aussi de la miss. Ah, bientôt niveau sup, c'est bien, c'est bien. Oula, les deux qui préparent un truc là, bon, ça me... moi ça me plaît pas ça. Ouais, super, niveau sup aussi de son arme. Cool, cool. Ça progresse doucement mais sûrement. Ah, prochain fight, on a un petit level up de Justin. Alors piégé ou pas? Ouais, piégé. Allez, comboite. Allez, tire là-bas, toi. Il était... C'est un bot. Allez, il est par terre, là. Voilà. Ah, chien bleu. Voilà, il peut prendre un niveau. Ouais, il gagne un peu des points partout. Bien. Ah ben super, il n'y avait rien par là-bas. Ah, voilà. Oh, un bâton, c'est bien ça. Est-ce que je peux l'équiper pour quelqu'un au moins? Ouais, on va lui monter ça. Ils ont le bâton les deux. Là. Ouais, ils ont le bâton tous les deux. Voilà, comme ça, même pas de jaloux. Les deux vont monter le bâton en même temps. Bon, il y en aura forcément un qui tapera plus fort que l'autre, mais. Allez, tape l'autre, Justin. Bon, ça va. Deux frappes, ça, il tue leur adversaire, donc c'est bien. On va profiter, hein, pour l'instant, que c'est pas trop galère de faire ça. D'accord, de toute façon la route est d'accord, on suit la route. Bon, et bien on va suivre la route. Hein. Ah, ça y est, on arrive au ruine de Sult. Ok, bien. Cool. Nouvelle étape.
Ouais, alors là, Yengard, on sait pas trop qu'est-ce qu'il branle, mais il a des... ouais, il est mal foutu, hein. Ah, c'est censé faire une version HD remaster, quoi. Ça fait peur. Oh là là, c'est... Déplacement de perso sur... Vous avez des documents d'identité, vous ne pouvez pas passer les mains vides. Montre-lui la recommandation du personnage, il faudra rentrer. Alors, donc, hop, objet, juste, Attendez, regardez ça, une recommandation du conservateur. Comment? Effectivement. Pourquoi ce conservateur irait-il donner cette lettre à des enfants? Ne vous en faites pas pour ça, mais on veut juste passer, d'accord? Bon, d'accord, vous pouvez y aller. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui se cachent par là ou pas? Ah non, pas plus. On a fait le tour et il n'y avait rien à récupérer. Toute façon, sur les différents visuels, il n'y avait rien à voir. Que font des enfants ici? Comment êtes-vous entrés? Hé, dites, les ruines sont sous terre, pas vrai? Je peux les voir? Emmenez-nous! Des louches, qui êtes-vous? Je n'ai aucune pitié même envers les enfants. Anna, répondez! Conservateur. On vient visiter les ruines de Sult. On a une lettre de recommandation du conservateur du musée de Bâle. Une lettre de recommandation? Ah! On dirait qu'elle est authentique. Vous voyez, on n'est pas louche du tout. Alors, emmenez-nous sous terre. Sous terre, hein. D'accord. Mais d'abord, montrez-moi cette lettre de recommandation. De la recommandation, petit crétin, seriez-vous des intrus illégaux peut-être?
Ça reste à attraper les intrus, les torturer et les exécuter. Et puisque vous êtes des enfants, nous allons fermer les yeux. Quittez les rues de Sult sans délai. Allez, Dunarsaki, Mio, on n'a pas le temps de se préoccuper de ces gamins. Quelle horreur! Pour qui elles se prennent? Ben bref, Justin, rentrons. Pas question, Sou. Un aventurier ne peut pas reculer maintenant. Et il n'est jamais reculé. Après, c'est pas impossible que des PNJ avaient des trucs si on leur parlait, mais. Voilà, on va parler avec lui. Par principe. Je vous en suis passionnant. Si c'est un trésor, ça doit être le deuxième voyage d'Héloïse. Et j'ai lu ce livre aussi. J'ai l'aventurière aux cheveux d'argent a parcouru les ruines du monde entier. Le terme de ses grandes aventures, elle trouve les anciens trésors. Trop bien. Waouh, tu en sais long. J'adore ce livre aussi. Je l'ai lu des tas de fois. Ah. Eh ben, s'il y a pas. Oh. Allez! Ah, c'était peut-être un peu con ce que j'ai fait, mais. Bon, il n'y a pas de. Normalement, j'ai pas de risque de coupure ou quoi, donc ça devrait le faire. Putain, tu veux vraiment descendre? T'as pas entendu ce qu'elles ont dit toutes les trois? Oui, mais elles sont si mystérieuses, ça cache forcément quelque chose. Elles nous ont pratiquement avoué qu'il y a des secrets. Un aventurier ne peut pas ignorer ça. Bon, Justin, mais tu sais, je me disais que ça finirait ainsi.最終段階に差し掛かっている。あとは最後のピースを探し出すのみ。この遺跡の中心部に踏み入ることは、言うまでもなく困難な任務だ。命を落とす危険もあるだろう。しかし、今こそやり遂げねばならん。君たちへ栄光あるガーナイル軍こそが、人類に大いなる福音をもたらすのだ。行け、選ばれしガーナイルの戦士たちよ。 古代エンジュール文明の英知の扉を開くのは我々だ。兵士諸君の健闘を期待する。はい。ブラッディローズ隊は遺跡の東側、ライトニングスター隊は西側を、そして南側をデザートムーン隊がそれぞれ担当してください。期待していますよ。よろしく。 了解。時刻1506。全部隊作戦行動を開始しました。リーニの副幹部もなかなか様になってきた。え？ありがとうございます、ミューレン様。 Justin, tu entends ça? Oui, il y a quelque chose, on dirait. Allons-y, Sou. Ah, il y a aussi des jolis monstres. Ah, je vais peut-être toujours passer en ville pour refaire pour voir le stuff en vrai. J'ai peut-être plus que. Bon, tant pis, mais. Thank you.
Hey, tu as vu ça? C'était le colonel Mullen en personne. Ouah, je l'ai enfin vu en personne. Peut-il bien y avoir dans ces ruines isolées? Hey, tu entends ça? On dirait qu'il se passe quelque chose d'incroyable. On passera pour la discrétion et que, ben... Rien à foutre, hein. De la discrétion, hein, clairement. Effectivement, la suite, c'est par la droite, là-bas. J'aurais pas dû embêter ces jolies filles à leur entrée à l'académie. S'il arrive quelque chose? J'ai commencé en même temps que ces sergents, mais elles ont toutes fini par me surclasser. Ces trois-là. Je sais pas s'il y a moyen de passer par là-haut, mais. Alors sûrement, sûrement d'une manière ou d'une autre, mais. Je pense que j'ai pas la trouver. Eh ouais. Ah ben oui, Gabi. Ah non. Écran de là. Nanorune. Ah, bien ça. Et là-bas, je joue quoi du coup? En vrai. Je joue quoi? Bah, désolé pour les éternuements d'épisode du jour. Après un petit coup de froid, donc malheureusement il va falloir que je fasse avec. Et j'espère bien que il y aura plus de soucis là par la suite. Vous avez vu calmer un peu là? Allez, finis-le ce limon là qui t'a embêté là. Ah, elles sont là. C'est une telle mocheté, cette Line. Pourquoi faut-il qu'elle vienne? Juste quand on a une tâche qui nous rapproche de Hermulène, il faut qu'elle vienne gâcher la fête. Ouais, je tiens toujours aux côtés de Hermulène. Elle m'exaspère. D'après mes calculs, la carrière d'aide de camp de Line est presque terminée. Miyu, tu ne mijoterais pas un truc? Genre des punaises dans les bottes de Line. Oh non, un plan bien plus astucieux. J'ai mis un truc dans son assiette qui donne instantanément le hoquet. J'adore! Hermulène va sûrement regarder Lynn différemment quand il la verra couiner comme une oie. Pas très sympa ça, douceur, hein? J'en veux pas d'autres échecs comme la dernière fois que tu as tenté de la faire constamment éternuer. C'est votre faute, Nana Isaki. Vous l'avez mis par erreur dans l'assiette de Hermulère, non? Ouais, ça arrive à tout le monde. Enfin bon, c'est fini pour cette femme, pas vrai? Oh 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 oh! Allez, hop, belle. Ah, il y a un peu plus d'ouverture, mais des chances qu'il fallait vers là-bas. Tu comprends pas, on ne trouve que de la camelote. Est-ce que ça vaut quelque chose? Garde ton camp clé, on va se faire retrograder et finir au gué comme les types d'en haut. T'as du colonel, gardez tout ce qu'on trouve. Personne ne demande ton avis. Je suis désolé, je suis allé trop loin. Ah ah. De toute façon. Et
ici. Pourquoi des troupes d'élite comme nous doivent conduire des fouilles dans un tel endroit? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il ne faut pas nous relâcher. Après tout, même le colonel Mullen a dit que c'était une tâche dangereuse. Hé, tu as entendu? On parle d'une étrange statue trouvée au plus profond des ruines. Ouais, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir plus bas encore. J'ai entendu parler de fantômes. Ah, peut-être. Peut-être. Je me demandais pourquoi le colonel viendrait ici lui-même. Attends, sous, l'étrange fantôme dans les ruines. Oui, tellement excitant. Alors, on va aller voir là-bas pour voir les... Ah. Tu penses que ce nouveau se porte mieux? Il s'est salement cogné. Je suis inquiet, mais c'était clairement sa faute en allant seul dans les profondeurs des ruines. Le colonel Mullen n'a pas cessé de lui répéter qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans les ruines. Je suis pas sûr, mais on dirait que le danger guette. Hey, moi ça me va. Oui, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié que j'avais un anneau. Voilà. Voilà, hop. Ah, elle perd en défense en plus. Ouais, bon, il n'y a pas plus. Ok, bon, au moins, je suis équipé. Alors, les petits monstres. Ah ben, un peu d'argent, on va les récupérer. Ça serait dommage de ne pas en profiter quand même. Il y a un peu d'argent, on le prend. Occupe-toi de celui à côté, hein. Ah mais il y avait des... D'accord, il en avait éliminé deux lui en fait. D'accord, j'ai pas capté. Ah! Je crois que ça donnait sérieux là. Donc. Allez, ça me paraît pas trop mal tout ça. Ok, si tu veux, toi. Ah oui, mais du coup, j'ai pas fait ce que je voulais faire en fait. Bon, à droite c'est clairement cul-de-sac. Ah, en fait c'est la fuite. Oh, une armure ancienne. Ah bah zut, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Allez vas-y, mets l'armure ancienne toi.
Ouais, parce qu'en vrai, je crois que c'est le cul-de-sac, en fait, ici. Non, c'est ça peut passer par là. Oh, il y a l'item, là. Allez, ouais. Ah, on est tombé sur du... Ok. Comment ça? Comment ça, je suis piégé alors que je leur tombe littéralement dessus? Allez, crit ici, toi. Voilà, ils sont au terminalé. Voilà, j'espère à peu près répartir correctement. Hein. Bon, la finalité, bon, ça... pas la même, mais... De la dynamite, très bien. Ils vont me tomber sur la gueule là. Allez, venez par ici, les loulous là. Allez, sous, tu peux le faire. Bon, c'est un project fight, mais... Dommage, mais bon, pas trop le choix. Ah, mais oui, il passe dessous, donc c'était... Donc... Forcément. Non mais là il abuse, il a même pas tué son rythme. Non mais qu'est-ce que tu m'as fait Oh, un petit item, c'est bien ça. Hey, obtenu de la plante. Ah, même pas la chute ici, d'accord. Ici c'était le vrai chemin. Voilà, mais j'ai oublié d'équiper la hache. Je voulais équiper la hache sur Justin et j'ai oublié. Est-ce que je peux faire... Et le problème c'est que c'est pas lui qui l'a, donc... C'est mort.
des plantes, c'est bien. Bon, normalement, il aura pas le temps de taper, mais... Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, Yin Yin Yang. Bon, bah, Yin Yin Yang, elle a dit. Et je voulais tellement faire ça que, bah, du coup, j'en oublie le reste, quoi. Voilà, il y a tellement d'endroits que je suis pas allé voir, que je n'ai pas fait encore ici. Ah. Ah, il faut passer par là, ok. Bébé chauve-souris. Bon bah. Voilà, saleté. Normé. Ah! Il ne se passe rien, c'est plutôt louche cela dit. Très insolite pour une statue. Je pense qu'il est préférable de rendre compte à Hermelène. C'est sûrement préférable, allons-y. C'est pas passé loin. Si on s'était pas vite caché, on aurait été découvert. Allez. Je sais pas, est-ce que j'ai loupé des trucs? Je sais pas. Ah oui, ok, ça c'est bon, je revois où je suis. C'était par là-bas que j'étais pas... J'étais pas allé plus loin, là. Avec les mobs qui arrivent à tomber sur la gueule, là. Voilà, exactement. Les limons verts. Bon. Oh là là, l'esquive. L'esquive de la loutre. Il y a eu des gardements.
Allez, viens par là. C'est ce déplacement qu'elle m'a fait toute seule là. Bon, j'apprécie, mais. Ouais, level up les deux. Ah, tape plus fort un peu, c'est bien. Attends. Ici. Ah, tiens, des mobs un peu. Il me manque pas grand chose. Zombies que je vous vois, il me manquait un peu là. Voilà, comme ça elle est passée niveau 3 sur le bâton. On va lui remettre le petit arc. Voilà, niveau 3, niveau 2, et là c'est full. Ah oui, il y a des boosts de ça en fonction des armes. 7 et 10. Ok. Oui, c'est ça. C'est... C'est ici que ça se passe. Bon, on va faire le con. Voilà, c'est ça. Allez, sauvegarde. Ça doit être la statue dont parlaient ces soldats. C'est vrai que ça a l'air rouge. Justin, qu'est-ce que c'était? Justin, tes fesses, elles brillent. C'est ma poche. Serait-ce la pierre d'esprit à l'intérieur? La pierre d'esprit est... Je n'ai jamais rien vu de tel. Waouh! T'es chaud? Justin? Quoi? Alors, cette statue est une porte. Il semble qu'on puisse descendre plus bas par ici. Mais pourquoi elle s'est ouverte? Peut-être la lumière de la pierre? Et forcément ça souffle. La pierre d'esprit est reliée à l'ancienne civilisation. Et ça doit être une vraie pierre d'esprit.
Cool! On est les premiers à venir! Même les gars des forces de Garlil ne sont pas descendus ici. Bon, je... du coup, dans la vie, je sais pas si je loupe des trucs en vrai. Ah! D'accord, je reviens ici. Si j'appuie, si j'appuie là-dessus. C'est par là. Ah bon. Ah, je retrouve ce côté-là. C'est ça que je veux. Forcément. Ah, ça y est, j'ai autre chose. La série est vraiment étonnante. Elle bouge toute seule. La civilisation Angelou nous réserve à coup sûr de grandes surprises. Pareil, Sou. Justin, la pierre d'esprit brille à nouveau. Regarde, c'est l'appel d'Angelou. T'as dit quelque chose dessous? Oh, je n'ai rien dit du tout. Ah, cool! ことはありません。これは
精霊の光と光翼人の翼によって永遠を約束された世界、それがエンジュール世界です。天に輝く全ての星々が燃え尽きるまで光翼人の放つ光と精霊の恵みが絶えることはありません。束縛より解き放たれ進化への道を歩み始めたのです。そう、この世界では光翼人と精霊石の光こそが平和のシンボルなのです。La pierre d'esprit que tu détiens devrait toujours rester en possession d'un Icarien. Dis Justin, ça ressemble étrangement à ce qui est écrit dans les mythes d'Angelou, non? C'est aussi ce que je me disais. Si c'est le cas, quel est le lien des mythes avec la civilisation d'Angelou? Liette, quel est ton nom? T'en prie, dis-moi, ces mythes sont-ils vrais? Liette, par pitié, les mythes d'Angelou sont-ils vrais? Il cherche une réponse à une question. Plusieurs réponses. Toi se rendra à Lente. Cherches-tu plusieurs réponses? J'ai des tas de questions! Si tu cherches plusieurs réponses, tu dois partir pour un long, long voyage pour Alente, Céleste. Lors de ce long périple, tu risques de te perdre. Mais la lumière de la pierre d'esprit te guidera à destination. Tant que tu auras la pierre d'esprit. Celui qui a la pierre d'esprit. Si tu cherches plusieurs réponses, rends-toi à Alente. Vers l'est, Lent. Là, voudrait-il dire, je devrais franchir la mer pour aller à Elantia, au Nouveau Monde. Liette, est-ce que Lent, vais-je te retrouver au Nouveau Monde, Liette? Pourrais-je trouver la vraie Liette et les Icariens au Nouveau Monde? Attends, Liette! N'oublie pas, la lumière de la pierre d'esprit te guidera jusqu'à Lent. Maintenant, pars. Je suis Liette d'Alent. Je suis celle qui attend l'éternité. Elle est partie. Liette. Ah. On a vu beaucoup de choses, mais on aurait presque dit que tout cela n'était qu'un rêve. Oh, oh. C'est vraiment comme un rêve. Justin, cette lumière. Tu viens de voir une lumière? C'était la pierre d'esprit. Elle brille. Incroyable. C'est incroyable, Justin. Elle est vraie. Elle est vraie. T'es bien une pierre d'esprit. Liette, et tout ce que nous avons vu n'est pas un conte de fées. Tout est bien réel. Tu as raison, Justin. Ma décision est prise. Je pars pour Alent. Je pars trouver les Icariens. Je pars découvrir la civilisation Angelou et étonner le monde entier. Et ensuite...
Oh, waouh! Enfin, je pars pour Alente, c'est sûr. Je suis le seul à pouvoir le faire. L'aventurier Justin. Oui, je vais leur montrer. Qui va là? Mince, on est découvert. Qu'est-ce qu'un enfant fait ici? Alors où es-tu arrivé? Lynn, va surveiller la sortie. Oui, chef colonel Mullen. J'ai beaucoup de questions à vous poser, vous deux. Vous ne vous en sortirez pas ainsi. Qu'est-ce qu'on fait? Justin! J'ai bien trouvé quelque chose. Si vous ne dites pas la vérité, il pourrait vous en coûter la vie. Clemens, ce sont que des enfants. Soyez indulgents. Je comprends. Mais quand on se moque de moi, même un enfant. Cet homme, il est sérieux, Justin. Ses yeux ne sourient pas. D'abord, dis-moi ton nom. Je m'appelle Justin. Tu as donc décidé de dire la vérité. La fille, là, ne cesse de crier ton nom. Bien. Réfléchis avant de répondre. Obstine-toi à mentir. Et cette fille mourra aussi. Colonel Mullen! C'est une étape dans la fonction, mon garçon. Rappelle-toi que la vie de cette fille est entre tes mains. As-tu ouvert la porte qui mène ici? Quelle porte? Oups! J'essaie de réfléchir. Mon garçon, je donne une chance, pas deux. Justin, tu saignes! Le seul moyen d'entrer ici, c'est par cette porte. Si tu ne veux pas mourir ici, réponds. Sérieusement, à la prochaine. Qu'as-tu vu exister dans les profondeurs de ces ruines? Des lumières, images déconcertantes. Étranges lumières, des esprits. Ça pourrait être des images des prémices de la civilisation Angelou. Je vois. Il y a encore des gens comme vous qui ont l'esprit d'aventure. Colin Menel, qu'allez-vous faire de ces deux-là? Vous n'avez envisagé quand même pas. Ne vous inquiétez pas, Lynn. Angelou et Secret Défense. Ils vont nous servir d'informateurs. Quoi? Vous allez nous emmener? Moi qui voulais rentrer chez moi. Ma petite, désolée, mais tu ne reverras jamais ta famille. Hein? Non, nous sommes prisonniers à vie. Non, 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 non. N'en fais pas, fou. À nous deux, on peut se charger d'eux. Bah, même si vous vous échappiez, un autre piège vous attend encore. Les ruines seront votre tombeau. Hé. Alors, comment comptez-vous m'échapper? Oh! Justin. Ok. On y est, ça passe ou ça casse. Tout, allons-y. Ok. Prends ça, tourne, tourne en rond. Hein? Bien, allons-y, sous. Ah. Ah, donc voilà comment ça marche. Revenez ici. Passos! On va retrouver les trois dadas normalement, je crois. Regarde, Justin! C'est quoi ça? Est-ce que je suis équipé correctement pour lui faire des dégâts, ce truc? Je sais pas. C'est pas mal, c'est pas mal, ça fait des dégâts, c'est bien. S'il a comme action, lui attaque un ennemi avec une tête. Ah bah écoute, je peux en faire deux, autant y aller. Je vais conserver en vrai. Je vais conserver son action pour faire du heal au cas où. Allez, taillade en V encore.
sais plus si l'utilisation des compétences. Ah oui, ça fait monter juste l'arme aussi en vrai. C'était ça le principe. Allez, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas là quand on est venu. Ouais. Le type du nom de Mulen a dit qu'il y avait un piège. Tu crois que c'était ça? Peu importe, de toute façon. J'arrive pas à y croire. Ils ont vaincu l'oiseau rocher aussi. Ha ha ha! Colonel Mulen? Les gamins sont incroyables. Ils ont même réussi à m'échapper. Colonel Mulen? On ne devrait pas les poursuivre? Quelques fuites sur la situation Angelou ne contrecarreront pas nos plans. Laissez-le. Je respecte sa témérité. Comment s'appelait ce garçon? Son nom est Justin. Justin. Sacré personnage. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tant amusé. Très bien, on s'en est sorti. Ce n'était pas un rêve. J'ai bien vécu une grande aventure. Attends un peu, il est pas un peu tôt pour s'enfuir? Déjà le soir, retournons à Parme. Eh ben on fera l'escapade la fois prochaine. Faudrait pas non plus faire trop long hein. Quand même, sur le principe. Donc c'est là-dessus qu'on se laisse. D'ailleurs, je l'ai dit là en fin d'épisode. Si jamais. Ben du coup, déjà de base, de pas donner de. Ben, si ça veut donner des conseils pour. Genre pour la suite, de pas donner des trucs qui sont. Avec un game breaker dans l'idée, quoi. Juste. Éventuellement, voilà, des petites précisions sur un petit truc qui peut être sympa d'aller chercher ou de voir. Soit pas non plus. Ou juste indiquer. Peut-être, du coup, de retourner par là-bas pour checker un truc, mais pas. Pour s'en donner plus d'infos ou de dire éventuellement ce que j'ai pu louper sur l'épisode et du coup conscient ce que c'est et si c'est faisable de revenir en arrière ou pas bien sûr bah peut-être de récupérer ce que j'ai pu louper éventuellement et si c'est récupérable bien sûr mais voilà hein, on a juste évité des gros spoils de certains trucs parce que du coup ça gâcherait finalement toute la saveur du coup on va dire bon, pour l'instant pas de la découverte du jeu parce que je l'ai déjà fait mais il y a bien longtemps mais voilà je préciserai à peu près sur mes souvenirs à quel moment je m'étais arrêté pour vraiment que si ça veut spoil un poil se passe derrière mais du coup que d'éviter de faire si j'arrive au moment où je j'ai pas fait quoi donc voilà je vous remercie par avance pour tout ça et bien entendu pour regarder ce let's play on se retrouve très vite pour la suite si apportez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.